J'ai cru que j'étais qui? J'ai cru que j'avais disparu parce que j'avais pas posté de vidéo sur la chaîne secondaire pendant 5 jours là. Le programme de la journée, c'est co-work. Hop. C'est parti les gars. Droit derrière le co-work, ça va partir sur un entraînement. Genre, putain. J'irai mon matos. Droit derrière le co-work, ça va partir sur un entraînement jambes. Et droit derrière l'entraînement jambes, ça va partir sur... Oh, c'est une surprise, je peux pas vous dire. Mais je vais revoir quelqu'un que j'ai pas vu depuis longtemps. Et vous non plus. Non, on attend l'ascenseur. Oh, il y a des gens. Je suis sûr qu'il y a des gens. Les voisins du dessus, c'est une entreprise qui gère des sites de cul. Genre, je te jure, je rigole pas. En tout l'étage, c'est une monstre boîte. Ils gèrent 4 sites. Il y aura peut-être un des employés. Vous êtes prêts? Lui, il gère un site de boules. Vous êtes toujours demandé à quoi ça ressemblait? Regardez. Non, il est de la chance. Là, le plan, du coup, c'est d'aller chercher un vélo. En fait, à Barcelone, tu vois, les transports publics, c'est un peu de la merde. C'est plein de petites rues, tu vois, c'est une ville dans laquelle t'as pas vraiment intérêt à avancer en voiture. Regarde, en bas de chez moi, frère, j'ai un parking à vélo. Donc là, on a la plage, tu vois, c'est joli d'habitude. Si j'ai envie, je le fais jamais, mais si j'ai envie, je peux aller à la plage quand je me réveille. Et là, on va chercher le bon vélo. Et je vais vous montrer comment on fait pour sélectionner ça. Alors, la technique ultime, c'est de regarder les vélos qui ont des selles qui sont immaculées. Les selles vierges. Parce que si elles sont vierges, en fait, ça veut dire que les pneus sont bons. Lui, c'est le bon. On va l'appeler Tornado. Et alors là, on est un peu baisé, en fait, parce que apparemment, je me suis fait déconnecter. Et pire encore, le mot de passe est incorrect. C'est quoi ce bordel? Putain, c'est Flo qui a changé de mot de passe. On va lui demander. Allô? Ouais, ça va ou quoi, mec? Ça va, mon pote? Ouais, ça va bien. Une petite question là, j'essaie de prendre un vélo des Bicing et c'est Keblo là, t'as changé le mot de passe? Non, j'ai rien fait, gros, j'utilise pas ce putain de service. T'as dit quoi? Répète s'il te plaît. Ce service, ce fucking service, ce putain de service, mon pote. On va aller à pied, bah c'est parti, on va marcher en fait. Hein. D'accord, super, c'est en réalité l'application qui est down en fait, donc on est juste baisé, y'a pas de. Oh là, comment ça? Bon, j'étais en train de me dire que, en fait, c'est stylé que les vélos aient été en panne parce que bah, ça va nous permettre de marcher et puis de découvrir un petit peu des petits coins sympas de Barcelone, en fait. C'est pour ça que vous êtes là aussi. Chaque imprévu, en fait, chaque contretemps, chaque truc qui se passe pas comme t'avais prévu que ça se passe, en fait, tu peux le transformer en opportunité et en faire quelque chose de bien. Toi, la seule influence que t'as sur le présent, en fait, c'est les actions que tu vas entreprendre maintenant, en fait, indépendamment de la situation. À chaque fois, tu fais juste le meilleur truc en fonction de la situation. Et à partir du moment où tu fais le meilleur truc en fonction de la situation, bah, c'est bon. T'as plus à réfléchir plus loin, en fait. Avant, mon cowork, vous voyez le bâtiment qui est gris là-bas? C'est le bâtiment de la marine. Et avant, je bossais là-bas. Du coup, j'étais. Non, c'est pas sûr, on dirait que je fais des blagues. Mais c'est vrai, sérieusement. En réalité, c'est le cowork qui louait des locaux dans le bâtiment de la marine. Et du coup, j'allais là-bas. Donc tous les jours, en fait, je passais devant tous ces yachts comme ça. J'arrivais au cowork. Et d'ailleurs, le premier jour, je suis allé en débardeur. Et le capitaine, frère, il est venu me dire que je pouvais pas être en débardeur dans ce bâtiment-là, tu vois, parce qu'ils ont un dress code. Et du coup, bah, je me suis barré et je me suis désinscrit du cowork parce que, frère, laisse tomber, mec, c'est quoi ce délire de dress code, mec? Surtout dans un cowork, en fait. Quand tu bosses en tant qu'indépendant, le but, c'est pas de devoir te balader et puis de devoir réfléchir à comment est-ce que tu t'habilles. C'est pas ce que t'as envie de faire. En tout cas, c'est pas ce que moi, j'ai envie de faire. J'ai envie de pouvoir juste m'habiller comme un va-nu-pied. Voilà, petits enfants qui jouent avec les pigeons, trop bien. Oh, regardez, ils sont là. Oh, salut là. Bueno, chao, nos vemos. ¿Cómo te llamas, señor, tú? Elio Ávila Muñoz. Chao. Ok, donc comme vous pouvez voir, je suis très connu à Barcelone. C'est des gens qui regardaient le podcast, en fait. Et c'est le public le plus engagé. Comme tu peux voir, ils ont l'ardeur, tu vois. Ils ont le feu au fond d'eux-mêmes et puis ils ont envie de conquérir la vie, en fait. C'est toute une communauté, en fait, de jeunes entrepreneurs. Heureusement qu'on est venu à pied, on n'aurait pas vu ça si on était venu à vélo. Putain, merci à l'application de ne pas fonctionner. Vous avez vu, en fait, c'est génial, la vie. On est à 20% du... 30% du chemin. C'est trop beau, regardez, cathédrale. Ce bâtiment là-bas, tu vois. C'est la cathédrale de Barcelone et mon cowork, en fait, il est juste à côté. Regardez comme elle est jolie. Voilà, l'alarme qui vient sublimer l'instant. Regardez, cathédrale de Barcelone dans vos chattes. Regardez comme c'est beau. Tac.
Alors tous ces gens, c'est des locaux. On pourrait croire que c'est des touristes, mais pas du tout en fait. C'est tous des locaux qui se retrouvent ici en fait pour un rituel du vendredi matin. Ils font semblant d'être des touristes pour inciter plus de touristes à venir. Regardez, les gens sont en train de profiter assis sur les petits bancs. Profite du soleil, le petit marché. Qu'est-ce que c'est beau la vie. Alors regardez, normalement le bail méga pratique, c'est que je prends les vélos quand je sors de chez moi et je le dépose ici parce que mon cowork c'est là. Et ça c'est vraiment stylé, tu vois, j'ai vraiment l'impression de travailler dans une banque. Ok, donc les gars, là je vais exploser ce truc, je vous montre en gros ce que c'est. C'est ouf, non? GG, action! Vas-y mec, fais des trucs! Tu as demandé à manger, bah fais des trucs stylés mec. Fais le beau! Dame la pata! GG, lay down! GG, y'a la bouche! Ok, GG, regardez sa tête, vous trouvez pas qu'on dirait genre un addict à la mette? Ok, alors après 10 ans de consommation de crack, voici à quoi ressemble GG. How are you? I'm good. Ok, Alexis va nous dire quelque chose en français. Oh, say something in French. Yes. Un, deux, trois. Oh, you can just say oui. Oui. Tu vois, il y a le scanner qui marche de nouveau. Du coup, je vais normalement pouvoir me prendre un vélo. On va tester directement et... Oh, attends, je vais pas prendre celui-là. Merde, il l'a scanné, trop tard. Voilà, j'ai pas le choix. C'est fini, je pense. Donc, on se retrouve, je vais pas filmer le trajet parce que ça va être de la montée et je vais mourir. Donc, on se retrouve directement à l'entrée de la salle de sport. Ok, arrivé. Une goutte de transpiration sur le nez. On voit ou pas? Une seule, mec. Tout reste en toute détente. J'aime bien commencer en fait... Généralement directement avec voilà, cette machine qui est occupée. Donc les leg extensions pour réchauffer un petit peu. Ici, je peux pas faire, donc regardez. Normalement j'aime bien faire ça. Tu vois, c'est le truc pour les ischio. Et puis ça, le truc pour les leg extensions en échauffement. Mais là je vais pas trop pouvoir parce qu'il y a des gens qui y sont. Du coup je vais aller voir pour une machine que personne n'utilise. Qui s'appelle, c'est le truc du pour le cul là, le hip thrust. Mais en fait il y a quelqu'un qui l'utilise maintenant. Et sinon j'aime bien commencer avec le mollet et c'est aussi pris, donc voilà, je vais me faire enculer en fait, c'est vraiment ça le plan de la séance. Ah mais non, mais là-bas il y a une autre leg extension. Vas-y, je vais faire ça, regardez. Ok, elle s'est libérée, on va pouvoir commencer. Donc là je vais m'échauffer et je vais balancer vraiment ça en direct. Bueno, dale. Ok, donc je suis en train d'utiliser les gens de la salle pour me filmer et ils comprennent pas vraiment ce que je suis en train de dire. Donc c'est parfait. Perfecto, muchas gracias. Me ayudas mucho. Horrible. Je pense que tout le monde a compris l'idée. Donc on se retrouve juste après. Là il y a une machine si tu veux, ce truc là. C'est celle où t'écartes les jambes et ça fait, c'est, bah, c'est pour les abducteurs du coup. Là ça va me permettre de défoncer le cul avec ça. Et en fait je vais alterner en superset avec sa copine, tu vois, qui fait le mouvement inverse. Et en fait je vais travailler les adducteurs en même temps. Et dans l'idée, on passe à l'autre. Et à nouveau je suis en train de profiter un petit peu des gens pour filmer quelques exercices. Là ce que je fais en fait c'est ses épaules parce qu'au poids du corps, les élévations latérales en fait tu peux pas faire, pas vraiment de mouvement au poids du corps qui permettent de bosser le muscle de l'épaule de cette manière là. Donc à chaque fois que je viens faire les jambes en fait je termine ma séance par quelques petites élévations à l'épaule comme ça. Tac. Avant de passer chez Flo par contre il faut que j'aille acheter des trucs. Je dois acheter de l'apérol. Je mets comme d'hab créatine et un petit peu de whey. Surtout la créatine qui m'intéresse. Comme d'habitude vous pouvez profiter de vos réductions habituelles avec le code Helio et le lien pour commander est dans la description. Allez, on se retrouve dehors. Là il y a Flo qui va apparaître vers cette porte d'ascenseur
Est-ce que vous êtes prêts à voir sa tête? Oh, ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu. J'ai appelé l'arbre aux yeux qui monte. Oh, tu es. J'ai quelqu'un à manger, ça va? Mais viens, viens. Oh, putain, mec. C'était ton appart, mec. Putain, mais c'est ta tête. Je sais, c'était ton appart. C'est plaisir de te voir. Ouais, moi aussi, mec. Donne-moi ça. Ouais, j'ai acheté beaucoup d'alcool, mec. Excellent. Je vais servir direct, mec. Alors, c'est parti, mec. Parce qu'en haut, il y a déjà notre petit emplacement. Je regardais un peu les choses qui ont changé chez Flo et en fait ça a pas changé en fait, tu vois, c'est d'origine, mec. Mec, ça doit rester comme ça, mec. C'est caché. Ouais, c'est comme ça que t'as acheté l'appart en fait. Bah, sûr, exactement, mec. Ils m'ont dit surtout touche pas à ça, moi. Ok. Et bien, mec, je vais te demander de boire un coup avec moi ou en tout cas, si tu en as envie, de bien vouloir me rejoindre. Alors je vais te rejoindre, mec. Est-ce que t'as besoin d'aide pour transporter des trucs? Ouais, prends ces deux pailles, mec. Ok. Oh, mais qu'est-ce que je vois? Pas de jacuzzi, première chose. Et deuxième chose, il y a une petite boîte que je connais très bien d'Ivoire. C'est ma boîte perso. Mais c'est quoi ça, mec? C'est du fromage. C'est de la blue cheese, mec. Bah, je te disais qu'il y avait une très mauvaise nouvelle, mec. Quelle est la mauvaise nouvelle? Donc voilà, de manière générale, tout se passe bien. Mais quand je suis arrivé à Barcelone, du coup, il y a 3 semaines, un mois, j'ai recommencé le même cowork que celui où j'allais, donc celui où on s'est rencontré, qui est à la cathédrale. Et là-bas, il y avait une meuf. Alors, c'est pas une mauvaise nouvelle. Alors, je... Tu vas te marier? Frère, je lui ai pas parlé, mec. En fait, voilà, j'ai freeze. Elle était magnifique, mec, à chaque fois que j'étais allé à la machine à café, je voyais des mecs qui l'abordaient et tout. Donc, il y avait un mélange de j'avais pas envie d'être un mec de plus qui venait me parler à la machine à café. Ouais, mais en même temps... Et un mélange de mec, elle m'attirait de ouf, tu vois, et puis genre, on se regardait, on sourit. C'est pas clairement souri, si tu veux, mais il y avait des micro-expressions de sourire, tu vois, enfin, selon. Ouais. Très bien. Dans ma tête, je me suis fait un film. Dans ma tête, à un moment donné, il y allait avoir la bonne occasion, et puis j'allais lui parler. C'est gay de faire ça parce que, en général, c'est compliqué, tu vois. Mais quelque part, j'avais aussi pas envie de venir déstabiliser un petit peu, je me sentais bien, tu vois. Tout se passait, enfin, depuis comme je t'ai dit.